beau, mais j'en sortais. Venez, vous m'écoutez, ça a cuit, ça attaque. Hey, Madoka dit quoi? Madoka tape sec à la tête cassée de compresseur. Ok. Que compresseur a mal fait. Qu'on n'arrache pas le mari de sa copine, qu'on ne fait pas le taper d'eau. Je n'ai plus en paix tout simplement parce qu'elle et sa coépouse, ça ne donne pas. Elle se dit toujours, genre, si peut-être son mari n'est pas là, c'est sûr qu'il est parti voir Tatiana. Elle voit que Fleur Delis a fait la paix. Elle-même, elle ne s'interroge pas que non, la paix est bien. Que voilà, Fleur Delis, aujourd'hui, elle a organisé une soirée de près de 4000 places. Et les 4000 places, en fait, sont pleines. En tout cas, sortez, venez vous mettre. Ça arrive jusqu'à ça. Je crois qu'on gagnerait mieux à ne même pas faire des clashs. On gagnerait mieux à être avec tout le monde. Regardez un peu la politique que Fleur Delis a adoptée. Que non, elle a compris. Après son premier événement, elle a eu 400, je crois que c'était 400 places. Fleur a eu des difficultés à remplir la salle. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement de détracteurs. Elle avait tellement de gens qu'elle avait à dos. Après, elle a compris en vrai bamileke que non, je suis une businesswoman. Je suis une femme d'affaires. Et en tant que femme d'affaires, je dois être bien avec tout le monde. Est-ce que la game rapporte quoi? Je connais ces gens-là. On ne se connaît même pas. On c'est virtuel. C'est les relations virtuelles. Ça sert à quoi de faire les guerres? Elle a décidé de faire la paix avec toutes ses consoeurs. Aujourd'hui, voilà une place, une salle de près de 4000 places. Elle est déjà à guichet fermé. Alors que l'année dernière, pareil, moment, 400 places, Fleur Delis se battait encore. Fleur Delis se battait encore. Maintenant, regardez, elle a pris une salle trois fois plus que ce qu'elle a fait l'année dernière. Actuellement, Fleur a guichet fermé. La paix est bien ou ce n'est pas. Ça demain. On va vous dire ça après demain. Je suis venu répéter encore à la TKC que votre patron a mal fait. On n'arrache pas le mari de sa camarade. C'est sale. Quand tu arraches, même tu rases les murs. Tu ne la nagues pas. Tu ne l'insultes pas. Tu ne la dénigres pas. Tu ne donnes pas ces vidéos à la vieille peau de Tchamaleu de publier. Tu ne fais pas ça. Tu ne sais pas ça. Je viens encore dire au TKC que le karma existe. Le karma existe. Le karma ne fait pas ça. On n'interdit pas aux femmes de prendre les hommes mariés. Mais quand tu prends un homme marié, rase les murs. C'est simple comme bonjour. Rase les murs. Arrête de narguer la femme que tu as en train d'arracher son mari. Pour qui même? Les TKC. Vous avez qui comme ça pour père? Un repasseur. Vous vantez même qui non? Vous bagarrez même pour qui même les TKC? Vous-même. À un moment donné, vous avez seulement tous la bouillie dans vos cerveaux là-bas, dans votre tchine. Il n'y a personne qui peut tirer les oreilles de l'autre. Donc même l'entouze ou de Sanda Mimbangla ne peut pas dire que non. Notre patron n'a pas. Donc, il n'y a personne dans votre team là. Lisette Akoudou. Mojang, tu veux me dire que quoi? Que ce que le compresseur a fait là, on peut applaudir ça, Mojang. C'est ce que tu veux me dire. Ah, Lisette, c'est ce que tu veux me dire. Qu'on peut applaudir. Eh! Ayez peur de Dieu. Ayez honte parfois. Il y a des choses dans la vie qui font honte. Au swan. C'est le swan. C'est le swan, un gros au swan. Parce que tu peux arracher même un gars qu'il ne vaut même pas la peine. Regarde, le gars même qui aime Zane Thierry. Ah, Lisette Akoudou. Zane Thierry. Thierry Anza. Il vous souille. Il vous souille. Il frappe sur votre patronne. Et vous venez cautionner ça en public. Vous venez cautionner quoi? Il y a des choses que quand ça sort à Mondo Vision, le jour que ça va sortir, c'est que Doka s'est arraché le mari de quelqu'un. Maman, je m'assois sur ça. On ne va sentir personne. Je m'assois sur ça comme ça. Je ne laisse pas que ça sorte. Je vais m'assois sur ça. Oh, ah. Il y a des choses, surtout quand tu es leader d'une team. Tu dois être l'exemple. La tête cassée. C'est les gros caca qui sont en train de vous sentir. Même si on explique ça, expliquez ça à vos pasteurs. Vous avez les pasteurs dans votre team. Vous avez les évêques dans votre team. Vous avez les monseigneurs dans votre team. Allez vous asseoir, expliquer à monseigneur, à votre évêque, à vos bonbons là qu'on a arraché le mari de quelqu'un. Quelles sont les conséquences que vos bonbons et vos pasteurs vous expliquent? Arrêtez de venir vous acharner sur le petit décryptage que j'ai fait. Vous avez déjà fait les caricatures sur moi partout. Vous avez déjà fait les posts sur moi partout. Je vois une fausse page qu'on appelle Mandong Japap. Je vais interpeller la TKC ici là. Mes pages Mandong Japap, ce sont mes photos qui sont là. Il y a une page, Mandon Japap, qui fait souvent le sale et se fait passer pour moi. Ce n'est jamais moi. Ok? Et son Mandon ne s'écrit pas comme mon Mandon. Je vais fouiller cette page, cette peste-là qui se fait passer pour moi. Et que elle aussi, paraît qu'on dit qu'elle a fait un poste là où elle est en train d'insulter le ventre de Perpétue. Je ne fais pas dans ce genre de choses. Même quand j'ai eu n'importe quel genre de clash avec une personne, je ne m'attaque jamais et je ne m'attaquerai jamais à l'état de santé d'une personne. Jamais. Pour ne pas dire le ventre d'une femme. Parce que je ne sais pas ce que mes enfants seront. J'ai les neveux, j'ai les nièces, j'ai les enfants que j'ai accouchés. Il y a des choses que je ne fais pas dans la vie. Ok? Je ne m'attaque pas au ventre d'une femme. Je ne m'attaque pas aux parents des gens. Je ne m'attaque pas aux enfants des gens. Et puis, je vais vous dire, la page Mandon. Attendez. Mandon. Voilà. Voilà la page en question. Ok? La page en question. On dit que la page a publié. Mais quand je regarde même la page là, les dernières publications de cette page remontent à le 14 septembre. Les dernières publications de cette page remontent le 14 septembre. Et on m'a dit qu'il y a une page de Mandong Japap qui a publié un truc sur compresseur en insultant son ventre. Ce n'est jamais moi, ok? Ce n'est jamais moi. Quand vous voyez les pages Mandong Japap, regardez bien l'orthographe. Mon Mandong s'écrit M-A-D-O-N. L'autre page là, c'est M-A-N-D-O-N. Ma page de Mandong n'a pas N sur ça.
Donc, je ne veux pas que... Parce qu'on a toujours tendance à me référer à cette page. Il y a dit ici, maintes fois que la page là ne m'appartient pas et je ne connais pas qui a cette page. Ok? Si j'avais créé les faux profils, je ne suis pas obligé d'utiliser ma langue japonaise pour créer les faux profils. Il y a tellement de... Oui? C'est qui? Hein? C'est qui? Les gens qui viennent boire, vraiment, hein? Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Donc, c'est ça que moi, je suis en train de vous dire que moi, les pseudo-pages, ok? Les pseudo-pages Mbrakata. Je n'ai pas besoin de créer une fausse page pour dire à Compressor ce que je pense. Je n'ai pas besoin de créer une... D'abord, je suis sur Facebook depuis et Compressor me connaît suffisamment pour connaître ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. C'est comment, non? Comme hier, tu ne nous as pas vu, tu vois, on t'a attendu. Ah, c'est la vie, non? C'est quoi, on n'était pas là. On est sorti quand même. Bon. Ça va, c'est celui-là. Bon, tu vois quel goût? Il y a la Taji. Il y a la Dopen. Il y a la Isenbeck. Il y a la Guinness. Comment avec mon chargeur et mon téléphone? Je ne sais pas. Hein. Tu as un chargeur quand même. Excuse-moi, pardon. Chargeur fantôme? Non. Android. Je ne sais pas, je vais seulement chercher. Ça me dérange. C'est comme ça, les gars là sont comme ça là. Je vais les donner là-dedans. Moi, je vais. Tu dis? Laisse-moi la pierre. Laisse. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes. Pour le paiement. Ok. Oui, je ne veux pas avoir les problèmes. C'est comme ça, mon téléphone est dingue. Le vieux, le père là, ils sont là. Okay. Ils ont posé dangereux. Ah, mon frère, c'est là. Une personne qui est entrée, pose la bosse. Donc, comme j'étais en train de vous dire, ok, je ne connais pas cette page. Je ne connais pas qui est propriétaire de cette page. Et puis, je ne veux pas qu'on m'associe à cette page. Si moi, je veux parler à Compressor. Allô? Hey, wonderful. Si je veux parler à Compressor, ok, je n'ai pas besoin de dire que je vais venir sur Facebook raconter. Aller créer les faux pour lui parler de Compressor. Mais ce que je déplore, Victorine, tu dis quoi? C'est Facebook, c'est Meta. On va voir de toutes les couleurs sur Facebook. Donc, oui, c'est l'été cassé, non? C'est l'été cassé, mes gens. Hein? Ouais, Seigneur. C'est ça l'été cassé. Ça va aller. Finissez de rire, allons continuer le live. Vous riez. C'est cassé. Ce sont plutôt certains commentaires qui attirent l'attention et pour certains insulter. Bibi Chouattara. C'est ça que je suis en train de vous dire que vous me déconcentrez avec vos riz bêtes là. Oui, Facebook ne bloque pas comme TikTok. Oui, je l'ai directement bloqué. Oui, jusqu'à Fanabi, tu as même vu que c'est vraiment de Dieu. Donc tu as même prêté attention. Bah. Et c'est tout ce que tu as trouvé comme exemple. Vous me déconcentrez avec vos riz. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Franchement, l'été cassé. Vous avez un gros caca qui est en train de sentir vos mains. Et c'est votre patronat qui a mis ça sur vous. Je suis désolé. Je ne suis pas dans le suivisme. On doit se dire la vérité. La vérité, c'est qu'elle était cassée. Votre patronat a tort. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça demain. Elle n'a pas raison. Tatiana, c'était sa copine. Elle a trahi Tatiana. Elle a trahi Tatiana. On ne fait pas ça à une amie. Une personne qui est son amie, on ne fait pas ça à son amie. Elle a trahi quand Tatiana était au sol. C'est l'été cassé, c'est le travail. C'est eux qui sont venus gâter le live comme ça. Et j'ai vu, Pépétu, tu as envoyé la vidéo de Tatiana à Tchamale de poster. Et Tchamale a pris, elle a mis dans sa page. On m'a appelé, on m'a dit que Tchamale a mis une vidéo de cette fille là où elle est dans l'hôtel. Où elle est à l'hôtel, où elle est où? Avec un gars. Je ne sais pas avec qui elle est où. Où ça avait tiré. Ouais, Victorine Yango. Elle a posté dans sa page. Et je dénonce cela avec la dernière énergie. Je dénonce ce genre d'acte. Parfois, quand je reste, j'ai mal. Vous savez pourquoi j'ai mal? Parce que je me demande que j'ai fait comment pour ne pas voir cette fille, pour ne pas voir ce côté sombre d'elle, pour ne pas voir ce côté méchant, ce côté démoniaque. Parfois, je me demande que j'ai fait comment pour ne pas voir ça. Et j'ai les larmes quand je coule sa part dans mon ventre. Quand je pense que j'ai fabriqué un monstre sur Facebook. Moi, j'ai fait les clashs. Là où on s'est insulté, on s'est tout dit. Mais j'ai eu des limites dans mes clashs. J'ai eu des limites. Je n'ai jamais pris la nudité de quelqu'un pour faire de ça mon arme de combat. J'ai fabriqué un monstre que quand il veut s'attaquer aux enfants, elle n'a pas de remords. Quand il veut s'attaquer aux gens, elle n'a pas de limites. Elle n'a pas de limites. Quand je pense que c'est moi qui ai fabriqué ce monstre-là, j'ai mal.
C'est vous dire que je n'ai pas mal. J'ai mal. Avant de vous associer, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques ici. Hein. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes psychologiques. Qui marchent avec des traumatismes dans leur vie. Qui marchent avec la frustration dans leur vie, prêts à détruire, prêts à verser leur venin. Prêts à verser leur venin. Je crois que c'est le cas. C'est le cas de cette fille. Elle veut verser son venin sur tout le monde. Elle n'a pas de limite. C'est décevant, hein? Ça fait mal. Je n'avais jamais pensé que je devais fabriquer un monstre comme ça sur Facebook. Je n'avais jamais pensé. Ça fait que j'ai même peur. Quand les gens même écrivent à Noko, oh, machin, machin, j'ai peur. Quand vous dites que j'ai juste vu le soutien financier, oui, quelqu'un peut te faire un don. Mais quel soutien financier que je vais rester comme ça, veut dire que la fille m'a donné. Est-ce qu'elle peut sortir 1000 dollars qu'elle a dit que oui, comme soutien financier, elle m'a donné 1000 dollars. Est-ce que tout ce que cette fille, qu'elle totalise tout ce qu'elle a pu me donner avec les captures d'écran, si ça va atteindre 1000 dollars. Est-ce qu'on dit que quelqu'un a le soutien financier? Vous parlez de quoi? Quand vous voyez ma vie aujourd'hui, là, j'ai besoin. C'est donner à n'importe qui de venir au Cameroun de faire plus d'un an et vivre, garder le même standard de vie. C'est donné. Il y a combien d'entre vous qui peuvent venir au Cameroun faire 2 mois seulement? Il y a combien? Je suis à plus d'un an au Cameroun. Et je ne vais pas parce qu'il faut que j'aille ravitailler mes enfants en nourriture, sinon je ne suis pas même pas. Quand vous dites soutien financier de quoi? Moi, je veux savoir. J'ai eu le soutien financier mais comment? L'année passée, les publicités seulement. Les publicités cette année, c'est que j'ai fait sur ma page, je m'en donnais combien? Pourquoi vous dites qu'une pseudo personne m'a tellement? Si elle dit que quelqu'un m'a soutenu sur Metasevim Bako, vous avez compris avec moi? Si je dis que quelqu'un m'a soutenu sur Meta, avec les étoiles, Sylvie Macron, je ne parle pas des soutiens anonymes de ceux qui ne veulent pas être sur Meta. Je vais dire sur Meta, sur Facebook. Si une personne m'a soutenu, Sylvie Macron, sans crier sur les toits, sans faire du chantage. Sylvie Macron m'a aidé sans faire du chantage, sans faire de bruit. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fait de bruit. Elle ne fait pas de bruit. Elle est dans son coin. Ça avait été cette peste-là, c'est qu'aujourd'hui, là, je ne respire pas. Il y a Victorie qui avoue que ça t'arrangeait qu'elle insultait les mamans. Non, on était en guerre. Et je lui avais donné ma cible. J'étais en guerre avec Lolo. J'étais en guerre avec Ngobapa. Et la langue de Varan. Voilà les gens avec qui j'étais en guerre. Avec Pasteur Mimam. Voilà les gens avec qui, à l'époque, j'étais en guerre. Les autres qu'elle insultait ne me concernaient pas. Elle achetait des problèmes de TKC. On lui a parlé en offre. Officiellement, elle travaille pour les TKC. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'elle doit dissocier mon nom. Vous ne savez à quel point je suis tellement fier que je me suis désolidarisé de cette fille. C'est que tout le sale que la fille a en train de faire sur Facebook, c'est qu'on m'associe à ça. Merci Seigneur. Je ne veux pas payer le prix fort du mal que quelqu'un d'autre est en train de commettre. Non, je ne veux pas. Voilà une personne qui a un seul enfant unique sur la terre. Un seul que Dieu lui a donné, pas deux. Un seul que Dieu lui a donné. Ah, merde. Maman, elle a un seul enfant que Dieu lui a donné sur la terre. Un seul. Les jumelles, c'est les enfants de sa petite sœur qui vivent au Canada. C'est les enfants de sa petite sœur. Elle a un seul enfant que Dieu lui a donné. Et elle vient faire autant de mal. Elle ne regarde même pas que j'ai un seul œil. Elle ne regarde pas ça. Ah. Ah. Donc, je peux tout dire de compresseur. Je ne peux jamais m'attaquer au ventre de compresseur. Donc, si les gens font les pseudo-postes en utilisant mal les comptes mal, donc j'appartiens, ce n'est jamais moi. OK? Vous avez à croire ou vous n'avez pas à croire. Mais Dieu qui sait qu'on est la vérité. Et Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout. Pour moi, c'est très important. Le reste là, des bracata de Facebook là, croyez ce que vous voulez. Mais je veux dire à compresseur que ce n'est pas moi. Ce que je veux dire à compresseur, je mets ma caméra, je te dis ça à mon Eurovision. Ce que je suis à mon Eurovision maintenant. Et je suis en train de te dire, c'est ça que moi je dis. Ce que les faux profils pas te créer les pages pour te dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. OK? Ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'on ne vole pas le mari de sa copine. C'est ce que moi, donc, je dis. On ne vole pas le mari de sa copine. Et on l'insulte. On prend ses vidéos. Hein? On envoie à une tierce personne de publier. Tu crois vraiment que si Thierry t'a donné les vidéos de cette fille de publier,
compresseur. Tu imagines ce que le gars va te faire demain. Parce que c'est une relation trop bourrée de méchanceté et trop de trucs. Donc, du coup, ça va seulement te mettre une relation que tu vas toujours être là en train de faire le proving. Tu vas seulement être là en train de vouloir expliquer aux gens que voilà toute ta vie. Et tu n'as pas besoin de ça. Donc, cherche-toi pendant qu'il se fait encore temps. Ne laisse pas que quand les rides vont tomber jusqu'à ça, toujours sort, c'est là où tu te lèves pour dire que tu vas quitter des retirés. Cette relation ne va pas aboutir. Parce que le départ est trop entaché. Ce n'est pas que je souhaite que ça n'aboutisse pas. Mais vu la façon que vous avez commencé et tout ce qui se passe et le personnage lui-même, ma soeur chérie, ça ne va aller nulle part. Je vais me faire rigoler parce qu'elle-même, elle voit la lecture de l'heure avec le gars. Tu n'as pas vu les coupures de vidéos où on dit que ouais, c'est le gars de manipulateur. C'est elle ça. Même, elle lit la lecture de l'heure. Tu comprends un peu, non? Elle a besoin de ça, ma. C'est ça dans la vie. Ça dit que quand tu convoites les choses que tu ne connais pas, voilà Belle Bijou qui nous a dit qu'elle est millionnaire, sa maison a coûté 1 million d'euros. Un instant, un moment. Excusez-moi. Lisa. Oui, madame Cass, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Voilà. Mais moi, je n'ai pas un problème. Bon, enfin, moi, en tant que TKC, je n'ai pas un problème avec toi. En fait, c'était juste pour comprendre. Et on n'a pas dit non plus que tu n'as pas un avis à donner. Tu as donné ton avis, on a compris. Mais ce que nous, c'est que moi, personnellement, je ne comprends pas. C'était en quelque sorte, ton avis était une prise de position, en fait. Genre, Diamant Bleu, elle a tort. Mais entre-temps, on sait très bien qu'ils n'ont jamais été à quel moment, parce que Diamant Bleu le dit, à quel moment ils ont été copines. C'est pas parce que tu donc, parles avec elle n'a jamais été copine avec Tatiana, Lisa. Oui. Elles n'ont jamais été copines. Je veux des preuves. C'est que tu as changé au débat. C'est que je vais tuer mes parents. Je croyais que c'était les copines. Elles n'ont jamais été copines. Ils n'ont jamais été copines. Ça a été dit et redit. Donc, c'est à ça. Parce que moi, si je parle de ma copine, Madorcas. Madame, excusez-moi, je m'adresse à Madorcas. Je n'ai rien à voir. Donc, Thierry, il est le centre des deux. Et jusqu'à maintenant, il est toujours le centre. Ils n'ont jamais commencé leur amitié, machin et tout. Et puis, elle a vu Thierry chez Tatiana. C'est pas ça. C'est Thierry qui fait la connaissance des deux. Donc, vas-y, comprends. Je vais te poser une question, Emma. Oui, mais tu trouves que Thierry, là, c'est un bon gars pour ton souci. Madorcas, je comprends ta question. Je ne suis pas. Attends, personne. Attends, là, il y a le bruit chez toi. Je ne sais pas si c'est la télé ou si c'est toi. Attends, j'enlève le. Je me mute. Lisa, demain, est-ce que tu peux. Donc, tu approuves la relation. Tu approuves ce Thierry dans la vie de compresseur. Si tu aimes compresseur, c'est un monsieur que tu approuves dans sa vie là-bas. Madorcas, ouais, je comprends ta question, Madorcas. Et je peux te répondre en disant que lorsqu'il s'agit. Comme on le dit vulgairement sur Facebook, d'un sans caleçon, personne, ni le père ni la mère, ne peut donner un avis. C'est juste. Mais si c'était ta soeur que tu avais à conseiller. Si c'était ma soeur que j'avais à conseiller, je ne regarderais pas ce que l'homme fait. Si ma soeur, c'est, ça dépend de ce que ma soeur me présente. Si elle se sent heureuse, je la laisse continuer. Tu as vu les vidéos là où le gars a mis le phare parce que c'est son con. Si c'était ta soeur, tu vas dire quoi ta soeur faire à repasser, je veux avoir la preuve parce que s'il y a des photos, toute photo peut circuler. Où est, qui a dit que c'était le faire à repasser? Que la personne nous montre la preuve que non, voilà, j'ai fait la vidéo, voilà comment il repassait. Moi, je ne peux pas croire. Donc, il n'y a pas de preuve que c'était un faire à repasser. C'est pas Madorcas, voilà. Pourquoi je le dis? Donc, je te donne le crédit sur ça. C'est parole contre parole. La personne dit ce n'est pas le faire, l'autre dit c'est le faire. Pourquoi je dois croire à. Mais ça, c'est parce que les gars en danger de nos jours, c'est mieux de le conseiller. Mon téléphone est déchargé. Mon téléphone est déchargé, c'est qui raconte les bêtises. Tashiba, et jusqu'aujourd'hui, tu viens, tu veux commencer à mettre. C'est ça que tu brandis comme trophée depuis quelque temps sur la toile. Thierry, si tu as de la personnalité, tu devrais. Tu as pris la avec Thierry, non? Oui, c'est ce qui se dit. C'est une fille qui a de la personnalité. C'est que ce n'est pas là-bas qu'elle serait allée piocher le gars. Si elle était en manque de gars, elle serait allée nous sortir, je ne sais pas trop, quelqu'un qui a du charisme, qui sort, qui n'est même pas sûr, je ne sais pas trop quoi. Tu as de la personnalité, mais regarde, tu es dans les bassesses de Thierry, Tatiana, Thierry, compresseur, Tatiana. C'est quoi comme ça? Est-ce que le compresseur a besoin de tout ça? C'est ça. Ça la diminue plutôt, elle n'a pas besoin de ça. Qui m'aime? C'est ça. Entre vraiment entre Thierry et Achille, moi, il préférait 100 000 fois Achille. Tout le monde, c'est ça qu'on dit souvent, que quand quelqu'un part, et puis maintenant l'autre vient. Parce qu'on a toujours, on connaît ce qu'on laisse, on ne connaît pas ce qu'on prend. Maintenant, c'est là où tout le monde sait que dit que mieux encore Achille. Parce qu'avant, on disait, oh Thierry est bien, il ne l'accompagne pas bagarrer. Ah, maintenant, je ne sais pas. C'est quelque chose. Oui, Maman Dorcas, oui, je suis là, je peux parler. Maman, tu oui, peux parler, moi, et pas. Maman Dorcas, descends-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas entré comment? Ici, c'est la prison centrale. Tu vas faire comment alors pour sortir? T'as plus pour sortir. Voilà, tiens, Konengi, c'est Konengi. Qui t'a envoyé? Alors, le socorro, tu es en prison toi-même. Maman Dorcas, bonjour. Non, vous, c'est qui là? Qui est là? Pas le maman. Je vais essayer de sortir, si Maman Dorcas ne veut pas me dire ça. Je ne vais pas sortir, c'est la prison centrale. Lou, n'est-ce pas? Oui, bonjour, Maman Dorcas. Vraiment, je vais être du même avis que la dame, c'est qu'elle vient de dire. Apparemment, compresseur n'a vraiment pas été amie avec l'autre, Tatiana. Mais sinon, qu'elle était amie avec Thierry depuis fort longtemps, tu vois un peu. Mais compresseur, par derrière, savait que Thierry sort avec Tatiana. Et il a présenté compresseur à Tatiana comme sa grande sœur. Tatiana donc a pris. Je crois que la version que tu donnes, c'est la vraie version. Tatiana donc a pris compresseur comme sa sœur, tu comprends un peu. Donc, ouais. Tous les petits migmas qu'elle avait à la maison, comme sa belle sœur, a pris compresseur. Oui, tous les petits migmas qu'elle avait à la maison avec Thierry, elle partait tout. Donc, le gens qui se confient à compresseur. À sa belle sœur, quand elle est là, c'est sa belle sœur. Et un soir,
toi, compresseur a dû appeler Thierry qu'elle ne se sentait pas bien. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Thierry et compresseur se sont, Tatiana et compresseur sont déplacés, aller là-bas, dans le logement où Tatiana l'avait accueilli avec son gars. Elle a trouvé que compresseur était mal. Compresseur saignait de partout. Elle a nettoyé compresseur et tout jusqu'à. C'était elle qui Tatiana. A appelé. Oui, Tatiana. Oui. C'est elle qui a appelé. Parce qu'elle connaît sa belle-sœur. Elle considérait oui, que c'était sa belle-sœur. Parce qu'elle considérait que c'était sa belle-sœur. Elle ne savait pas que compresseur sortait déjà avec Thierry. Tu comprends un peu? Mais l'autre là fait encore plus mal. Que, tu sais, il y a des hommes qui font ça. Il amène une femme chez lui que c'est sa gars. Et il te manque que c'est sa soeur alors qu'il bouge ça. Oui. L'autre là même la trahison de ça, ça fait encore plus mais mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Moi, je me dis, tu comprends. C'est que là, compresseur dans sa tête, ça va être. Non, elle était comme ça avec Tatiana. Oui. Tatiana, comme ça, voici ma belle-sœur. Elle est en train de bouiller le gars alors que les deux étaient là. Voilà, c'est comme ça, tu vois. L'autre là même encore plus pire que les copines. Exactement, c'est ça. Moi, je dis, c'est la compresseur. Parce que les gens, elle peut t'empoisonner facilement. Donc, laisse-moi parler. C'est moi qui ai la parole, c'est toi. Vas-y, maman. Non, parce que quand tu expliques encore, c'est comme si c'est même encore plus mauvais que ce que moi, je pensais. Non, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé, tu vois.